La méditation de ce 14 juillet est intitulée « L'Église sur le point de tomber ». Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Ésaïe 49, 14, 15. Satan accomplira des miracles pour séduire le monde. Il voudra régner en souverain. L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles exemptes de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucune fraude. Les membres du reste qui purifient leurs âmes par l'obéissance à la vérité sortent affermis de l'épreuve, offrant le spectacle de la bonté, de la sainteté au milieu de l'apostasie environnante. Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et fragmentée en courants indépendants. Rien n'indique qu'une chose aussi illogique puisse avoir lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message en s'efforçant d'en agiter d'autres se trompent et se préparent à d'autres séductions. Ils échoueront. Je me sens encouragée et heureuse lorsque je comprends que le Dieu d'Israël guide encore son peuple et qu'il demeurera à son côté jusqu'à la fin. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. L'Église, qui est sur le point d'entrer dans son plus grand conflit, sera l'objet le plus chéri par Dieu sur la terre. Satan fera tous les reproches possibles aux élus, à ceux qu'il ne peut séduire et induire en erreur par ses inventions et ses faussetés sataniques. Mais, élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, Christ, notre représentant et notre chef, fermera-t-il son cœur ou retirera-t-il sa main ou cessera-t-il d'accomplir sa promesse? Non, jamais, jamais. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Ésaïe 49, 14 à 15. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.